Bonjour, j'ai reçu mes nouveaux Power Pins qui s'appellent plus Power Pins, s'appellent Pins Pin Performance. Donc c'est l'occasion de comparer donc l'ancien modèle qui est pas fait par le même et le nouveau modèle donc ont repris l'idée. Et donc quel est le meilleur des deux? Donc je donne la réponse tout de suite. Vu que celui-là ça n'existe plus, le meilleur des deux c'est forcément celui qui est encore en vente. Alors pour le moment c'est encore en vente, je pense que ça va pas durer très longtemps, mais on va quand même faire une comparaison qui va montrer les faiblesses et les forces des nouveaux pins. Donc pour rappel, voilà comment on arme ce que j'appelle l'arbalète. Hop. Et puis on la met comme ça. Bon, faut bien la mettre. Quand je la mets, ça semble facile, mais 99% des gens vont la mettre mal. Donc c'est pour ça que c'est pas très populaire dans les salles de gym. Et ça ne l'aurait jamais été. Alors celui-là, bah pareil, tu l'armes, cloque, tu bloques, et là il est prêt à être enfoncé. Bon, le principe, tout le monde le connaît, hein, ça marche que pour des charges automatiques. Et pour faire une dégressive, c'est tout le but. Donc là, je vais montrer. Donc je fais ma série, clac, clac, clac. Je reçois, il saute. Bon. On voit qu'il a tendance à sauter mieux que les anciens Power Pins. Les Power Pins, c'est un peu délicat, hein, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est vieux, donc le ressort, enfin comment l'élasticité du caoutchouc, il doit avoir 10-15 ans. Donc, comme j'ai montré, je les ai réparés. Maintenant, ils doivent sauter mieux. Mais cela saute bien. Et puis le deuxième problème, c'est que on le voit, le trou, ça flotte là-dedans. Alors que celui-là, il tient beaucoup mieux dans le trou. Je vous montrerai pas. Voilà, celui-là et celui-là, il a tendance à flotter dans le trou. Donc là, ceux que j'ai mis, ceux-là, ils sautent beaucoup mieux. Et puis j'ai mis. Alors, pourquoi il a sauté que d'un seul côté? C'est que j'ai changé un seul aimant, j'ai mis un méga aimant, et donc c'est de meilleure qualité avec un bon aimant que l'aimant qu'il y avait de base qui valait pas un clou. Une faiblesse qu'on aura dans les deux modèles, c'est que c'est pas solide dans le sens où solide salle de gym, parce que dans les salles de gym, il y a des mecs qui vont marcher dessus et vont faire tomber des poids. Celui-là, ça m'a l'air un peu de la camelote. Là, je les ai remplacés, les trucs. Bon, ils sont très vieux, hein, ça fait. Donc, je les ai remplacés par de la courroie automobile. Ça les fait sauter très loin maintenant. Mais ça, c'était facile à réparer quand c'était abîmé. Celui-là, quand il sera abîmé, j'imagine que ce sera poubelle, parce que ce qui va pêcher. Bon, soit je marche dessus et puis c'est du plastique, ça casse. Ce truc-là, je m'attends pas à ce que ce soit cette pièce-là. Ce soit méga solide. Donc maintenant, à moins d'avoir une imprimante 3D pour refaire la pièce, je sais pas comment tu pourrais l'usiner. Et puis l'autre point faible, ça va être le ressort. Pour trouver le même ressort qui va aller dedans, c'est pas gagné. Donc fragilité qui font que dans les salles de muscu, c'est pas approprié spécialement. Donc là, je vais comparer comment ça saute sur du Star Trek. Donc Human Motion. Voilà. Ah merde! Ah les boules! Ça rentre pas. Alors toi qui es malin comme un singe, t'as remarqué que sur mes machines, il n'y avait pas de carter. Donc les trucs de protection qu'on a souvent juste devant les poids, et on a accès que en fait au trou et au numéro. Et ce qui fait que quand il y a un carter. Si je mets mes power pins, ils passent comme ça, mais ils sauteront pas. Et comme ça, je peux pas les mettre. Donc c'est pour ça que sur mes machines, il n'y a pas de carter. Donc c'était la grosse faiblesse des power pins, c'est que il y a beaucoup de machines, tu pouvais pas les mettre. Là, ils ont réglé le problème parce qu'il n'y a pas d'épaisseur. Donc il va rentrer plus sur les machines de salle de gym qu'ont des carters de protection. Donc on va le comparer là sur une Technogym. Donc là, il rentre bien.
Et celui-là, bah les boules, putain. Et oui, c'est ça le problème. C'est que comme ils ont mis une plus grosse tige, toutes les machines ne l'acceptent pas. Alors que là, la tige a été plus fine, donc forcément que quasiment toutes les machines l'acceptent. Je crois que j'ai pas de machine qui ont des trous trop gros, enfin trop petits et qui ne l'acceptaient pas. Donc pour conclure, encore pas mal de faiblesses. Peu pratique dans une salle de gym. Si t'as du matériel perso et tu sais qu'il y a des trous du genre Nautilus qui sont assez gros, les nouveaux peuvent très bien aller, t'auras même pas retiré les carters. En salle de gym, surtout en Europe, il y a de fortes chances qu'ils rentrent pas dans ton... Alors ils rentrent dans du live fitness, là on a vu que Human Motion de Star Trek ça rentre pas, Techno Gym ça rentre pas, il est probable que Panatta ça rentre pas non plus. Donc pas mal de marques qu'on rencontre chez nous en Europe, ça rentre pas. Donc en plus, comme je l'ai dit, fragile, donc tu marches dessus, c'est mort. Ça te coûte, je crois que c'est dans les 20 euros, 20 ou 30 avec le transport, un seul. Donc ça fait cher en salle de gym, si tu l'oublies, tu le retrouveras jamais. Donc ça reste encore un produit de luxe, un peu cher et pas toujours... Pas toujours idéal.